What's up tout le monde, bienvenue au vlog numéro 2 spécial filles. Aujourd'hui, on parle d'alimentation et je suis avec Roxane, salut. Bonjour. Aujourd'hui, on va discuter de plein de choses parallèlement à l'alimentation pour les filles. Parce que comme tu sais, l'alimentation, les gars et les filles, il y a quand même des différences, right? Oui, justement, est-ce que tu peux me dire peut-être les trois points les plus importants? Oui, la première des choses, je te dirais, c'est les fibres. Souvent, les filles, vous avez un péristaltisme de l'intestin plus lent que les hommes. Donc, l'important, c'est de rentrer des fibres. Combien de fibres entre, je te dirais, 30 et 70 grammes par jour, c'est l'idéal. C'est la première des choses. Donc, essayez d'en rentrer le plus possible dans l'alimentation. Soit il faut faire attention aux espèces de diètes un peu miracles qu'on lit sur Internet. Et l'une des choses, c'est correct de réduire les glucides pour tomber en bêta-oxydation, tout ça. Mais les couper, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur choix. De un, à cause des fibres, parce qu'en coupant beaucoup les hydrates de carbone, inévitablement, on coupe les fibres. Surtout qu'on rajoute pas souvent les légumes à la place. Donc, c'est la première des choses. Deuxième point, je te dirais, c'est les légumes. OK? Il faut s'assurer d'avoir beaucoup de légumes crucifères dans l'alimentation parce que les filles, vous avez de l'estrogène, beaucoup plus que nous, et ça fait travailler votre foie de façon un peu plus élevée que celle d'un homme. Essayez de manger plus de légumes crucifères, choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, brocoli, donc allez dans ces légumes-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu consommes toi sur une base régulière? Le plus possible, mais je savais pas que les crucifères en fait étaient plus importants. Ouais, ben c'est une bonne question parce que les gens souvent le savent pas, fait qu'ils vont manger plein de légumes, mais ça rend pas compte parce que votre foie travaille beaucoup plus que nous, donc c'est quelque chose à mettre de l'avant. Et le troisième point, je te dirais, c'est que à cause que vous avez des menstruations, il y a une perte de sang jusqu'à 1,5 litres par année quand même, et il y a souvent des risques d'anémie à cause de ça et des pertes souvent de vitamine B. Donc, il faut s'assurer de rentrer assez de vitamine B dans l'alimentation. Est-ce que tu sais où se trouvent les vitamines B? Non, je vais te poser la question. Non, justement. Les protéines! Donc, quand ça court, ça nage et ça vole, c'est là qu'on en retrouve. Là, je sais que c'est à la mode. Le végétarisme, le vegan et tout ça, je vous juge pas. Par contre, c'est juste de bien supplémenter une bonne multivitamine ou est-ce qu'il y a un complexe B qui est à l'intérieur. C'est le troisième point le plus important d'après moi. Qu'est-ce que c'est les protéines que tu suggères le plus? Écoute, je te dirais, tant que ça court, ça nage, ça vole, je te dirais de faire une rotation par contre dans les viandes rouges, okay? Peut-être d'aller chercher des viandes sauvages. L'important de la viande, premièrement, c'est de faire une rotation à l'intérieur de l'alimentation pour pas développer de certaines intolérances alimentaires par rapport à ça. Mais tu sais, n'importe quoi qui rentre comme les fromages et les œufs aussi peuvent rentrer dans des protéines qui sont complètes. Des protéines venant, exemple, de soya, des choses comme ça, ça peut être intéressant, mais je dirais de pas baser son alimentation là-dessus à cause du type de bloc d'acide aminé. Okay. Dernier point pour l'alimentation, et c'est un point que je trouve vraiment important, puis on en parlait tantôt hors d'onde, c'est les fameuses diètes sur Instagram. Before I get started, I just wanted to say that anybody can be a bikini body. Est-ce que tu t'es déjà laissé tenter par une diète? Je pense que toutes les filles se sont fait tenter un jour ou l'autre par une super diète miracle qu'on a vue sur Instagram ou autres médias, donc oui, il y a quelques temps, je me suis déjà fait prendre. Je l'ai essayé, on va le dire comme ça. C'est toujours pas toujours aussi miroir que c'est prévu. Ça ressemblait à quoi ce que tu faisais? Ben, en fait, c'est là que j'ai coupé beaucoup mes glucides et je faisais beaucoup de cardio. Ouais. Donc, ce qui était peut-être pas nécessairement adapté à moi, mais j'ai coupé beaucoup les glucides à ce moment-là. Donc, c'était basé, oui, beaucoup sur les protéines, beaucoup sur les bons gras, mais je crois clairement qu'il y avait une carence en glucides. T'amènes un bon point parce que qu'est-ce qui se passe souvent, c'est qu'en coupant beaucoup les glucides, on remplace pas nécessairement par d'autres choses. Ces types de diète miracle-là vous font faire beaucoup de cardio, beaucoup d'entraînement qui demandent des glucides. Fait que le problème, c'est que t'as une grosse demande de sucre, tu t'entends de glucides, t'en donnes pas. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que là, le corps est en carence, fatigue, maux de tête et tout ça. Fait que comme tu dis, c'est correct de les réduire, mais faut pas les éliminer pour autant. Deuxième des choses aussi par rapport aux diètes miracles, faut vraiment faire attention avec la provenance de où est-ce que ça vient. Parce que n'importe qui peut s'improviser coach, spécialiste en alimentation. Donc, c'est juste de classer le vrai du faux. Prochain point, je sais que tu me parlais de quelque chose d'autre tout à l'heure. Oui. À chaque mois, t'as des rages. Oui, ben en fait, je pense que comme toutes les filles, on a une certaine période dans le mois où on a certaines rages, des fois rages de sucre ou autres aliments. Qu'est-ce que tu suggères pour peut-être contrer ces rages-là? Je pourrais faire le coach classique puis dire « prends des suppléments de chrome, puis prends telle herbe, puis telle herbe ». Puis je veux pas aller là-dedans. La raison, c'est qu'il y a un aspect psychologique très important à ça. Lorsque tu te prives ou que tu te sens mal, tu as un phénomène de culpabilité à manger, exemple,
une barre de chocolat. La culpabilité va venir changer le profil hormonal et souvent va faire prendre plus de gras au groupe qu'à l'autre. Et la deuxième des choses à un moment donné, c'est qu'il faut avoir un équilibre du 80-20. C'est correct 20% du temps manger des aliments interdits parce qu'il n'y a pas vraiment d'aliments interdits. Il faut juste trouver son équilibre à soi. Et lorsqu'une fille a des rages de sucre une fois par mois, ça fait partie un petit peu du processus. Il faut juste pas se sentir coupable par la suite et réintégrer les bonnes habitudes rapidement sans pour autant tout laisser tomber. Donc, la culpabilité joue sur notre système hormonal. Exactement, à cause de la production de cortisol. Donc, l'important, c'est pour ça que les diètes monogrammes ou monochromes, un peu comme tu avais vu passer sur les réseaux sociaux, c'est pas l'idéal pour des résultats à long terme. Moi, à court terme, ça va donner des résultats, mais il faut passer à long terme. La mise en forme, c'est un marathon et non un sprint. Oui, je pense que quand on essaie ce genre de diète-là, moi, ce qui est arrivé d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, tu rentres dans une phase après quelques semaines où tu as une rage, tu te décourages complètement parce que tu as mangé plein de choses qu'il fallait pas, puis finalement, tu abandonnes. Exactement. Tu vois, le côté psychologique hyper important, puis on le voit souvent dans les réseaux sociaux, c'est mis de l'avant beaucoup. Les filles en forme, mais tu sais, ce qu'on sait pas, c'est qu'elle a peut-être pris 2000 photos avant de trouver la bonne photo. Oui, et ça c'est sans dire qu'elle a peut-être modifié la photo avec certains petits programmes internet. Donc faites attention à ça. C'est ce qui conclut mes trucs aidés par mon ami Vincent Comtois et spécial pour la femme. J'espère qu'avec ces trucs-là, tu vas avoir des meilleurs modes d'action pour pouvoir t'en sortir au quotidien. Ah, c'est sûr que oui, merci. Oui, good.